Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui ça va être ma première vidéo où je parle. Donc comme vous l'aurez sûrement compris au titre, l'objectif de cette vidéo est vraiment de vous montrer le, entre guillemets, nouveau programme de ma chaîne. Il faut savoir que ma chaîne est principalement dédiée à des montages, que ce soit Mortis ou bien d'autres choses variées. Personnellement j'aime bien faire. Et que apparemment aussi ma commu a l'air de bien aimer aussi. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours positifs sur mes vidéos. Ça fait extrêmement plaisir et ça me pousse à continuer un max ma chaîne. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Donc l'objectif à viser serait de, en gros, faire un peu moite-moite entre vidéo montage, où je fais des montages quoi, en gros avec Mortis ou plein d'autres brawlers, avec de la musique et plein de trucs, t'as capté ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, et des vidéos où je parle et je fais plein de petits concepts sympathiques que je vais énoncer un peu plus tard dans la vidéo. Donc pourquoi je veux faire moite-moite? Alors en fait, ce que je kiffe, c'est vraiment de faire des montages. Donc tout ce que j'ai déjà pu faire sur ma vidéo, c'est vraiment ce que je kiffe quoi. Mais j'ai une assez bonne idée, même si j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui faisaient ça et d'autres qui m'ont conseillé. Ça me plaisait vraiment et je trouvais ça vraiment original, pas tant que ça. Et puis je trouve que ça rend assez bien sur d'autres vidéos. J'y avais pensé il y a longtemps, quand j'ai débuté ma chaîne, je m'étais dit que je pourrais un jour essayer de faire ce genre de contenu, mais je me disais que c'était un peu trop loin et que j'aviserais quand j'aurais un peu plus d'abos et un peu plus de confiance. Et je crois que les gars, le jour est venu. Donc je vais essayer de pas trop me répéter, mais c'est un peu dur les gars de parler comme ça. Donc soyez indulgents avec moi les gars et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires des trucs qui pourraient m'aider. J'en serais vraiment reconnaissant parce que t'as capté, je commence les vidéos comme ça, mais j'ai pas beaucoup d'expérience, donc il faut que vous me donniez vos retours de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, ce qu'il faudrait que j'ajoute, etc. Bref, plein de trucs, dites-moi tout, je prendrai tout en compte, je lis tous vos messages et j'essaie de faire le mieux que je peux. Bref, revenons à nos moutons. Les vidéos que je compte faire à partir de maintenant vont ressembler à peu près à celles de, je sais pas si vous connaissez Gaspard, un français qui push un peu ladder, qui met des rangs 35, qui push un peu master. Et bah il a commencé à se lancer il y a pas très longtemps sur YouTube, donc il fait des vidéos assez qualitatives je trouve. Je trouve que son contenu est vraiment bien. Et je vais mettre le lien de sa chaîne bien sûr en description. Elle se ressemble aussi un peu avec celle de RZM sur sa chaîne en français. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, je vous mets les deux liens en description. N'hésitez pas à les voir. Je vais à présent vous énoncer à peu près tous les topics. Oh c'est gênant. À peu près tous les sujets qu'on pourra aborder dans toutes les vidéos qui vont suivre. Donc tout d'abord, on retrouve le passage de maîtrise hors 3. Qu'on pourra passer avec des abonnés, avec d'autres youtubeurs, avec des potes IRL ou en solo. Peu importe. Mes buts, c'est vraiment que je fasse animer la commu, qu'on fasse plein de trucs ensemble. Les gars, vraiment, je suis grave motivé à faire des trucs. Par exemple, on passe légendaire ensemble avec des abos. J'essaie de faire tourner. Dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez. Donc, par exemple, pour les maîtrises, celle qui approche très prochainement, c'est celle de Dina, la team. Théma, il me reste presque plus rien. Il me reste quoi? 1000 points. Donc, on va essayer de les faire. Ensuite, il y a celle de Colt. Qui est là, hors 2 aussi, un peu plus loin, ça sera dans un peu plus de temps. Voilà, bon après j'ai beaucoup de hors 1, tac. Bref, ensuite on pourra faire le passage de légendaire 1, 2, peut-être 3. Et là vraiment ça serait vraiment le top, ça serait de Rushmaster, la team. J'en suis loin, mais c'est, il y a un monde où, voilà. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que, par exemple, quand je passerai les maîtrises, quand je ferai les différentes vidéos dont je vous ai parlé un peu précédemment et que je vais vous parler encore un peu, je vais vous montrer par exemple les 5 dernières games pour passer légendaire, les 5 dernières games pour ma maîtrise, enfin environ 5, tu vois. Vous montrer un peu les, par exemple, les 3 dernières games. Et j'essaierai aussi de vous montrer les défaites, parce qu'en vrai, je sais pas si je vous montrerai les défaites, parce que voilà, c'est pas très intéressant parfois. On verra. On avisera. Et c'est là qu'entre en jeu les montages. Ils vont être importants. Parce que je vais montrer par exemple des best-of. Parce que quand je vous montrerai les 5 games, ça sera pas forcément super intéressant. Vous voyez, je vais vous montrer un peu comment je joue. Mais ça sera pas les best-of, vous voyez. Et je pense que la plupart d'entre vous kiffent les best-of. Donc je vais essayer de rester un peu mitigé entre les montages et les vidéos où je parle. Donc c'est reste des montages, mais bref, t'as capté. Donc pour rester dans les sujets qu'on va aborder dans les vidéos où je parle, on va retrouver le passage des trophées. Donc par exemple là je suis bientôt 54 000, j'espère que je vais faire une petite vidéo sur les 54 000, voilà. Je suis actuellement à 53 704. Donc les 54 000 trophées, les 55K, les 56K jusqu'aux 60K,
Et après, on avisera si ça va plus haut. Mais bref, on verra bien. Ensuite, je pourrais aussi vous faire un petit épisode où je monte mon casier. Ça veut dire un peu tout mon compte, tous mes skins surtout, mes seconds comptes. Enfin bref, un peu tout. Ça peut être une idée assez sympathique, je pense. Donc ça va être sur mon nombre de victoires, les trophées, les skins et bref. Ensuite, ce qui va arriver très prochainement, je pense que ça sera la première vidéo où je vais parler. Ça sera le passage des 10 000 victoires à la team. Je suis actuellement à 9 978. Donc on est plus qu'à 22 victoires, 10 000 victoires, ça fait plaisir. Ensuite, quand j'aurai fait pas mal de vidéos où je parle, on pourra peut-être faire des tier lists. Tier list Brawl Stars, bon après c'est à voir, hein. C'est pas l'idée que j'ai le plus envie de faire, mais en vrai ça peut être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, dites-moi en commentaire. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez kiffé. Je pense pas que vous aurez kiffé, mais juste j'espère que vous aurez compris en général ce que je veux maintenant, à partir de maintenant, faire. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner si t'es pas abonné. Cette vidéo, elle marque une sorte de nouveau programme entre guillemets, hein, pour ma chaîne. J'espère que vous comprendrez ma décision et que vous la partagez. Moi, je trouve ça assez sympa, ça me diversifie un peu la chaîne, ça fait des trucs différents. Et je ne change pas radicalement parce que je garde les montages dans ma chaîne. Personne n'aime le changement, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, toutes vos idées, tout ce qui a pu vous passer par la tête. Je sais pas, moi, des trucs de n'importe quoi, je lis tous vos commentaires. Dites-moi en commentaire toutes vos idées sur les thèmes que j'ai pu aborder pendant cette vidéo. Si vous avez d'autres idées, des questions. Sur ce, c'était Toto91. J'espère que... Oui, j'allais faire une intro, frère. Ciao, ciao.